Dans ce nouveau tuto, aujourd'hui on va confectionner ce petit panier à suspendre. Pour confectionner ce panier, vous aurez besoin du gabarit. Il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Il faut le couper deux fois, une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu intérieur. Ici, c'est au pli. Vous aurez également besoin d'une petite bande de 15 cm sur 6,5 cm. Ainsi que du thermocollant. Ici, j'ai pris le H630. Il faut commencer par thermocoller tous les morceaux. On plie endroit contre endroit. On épingle et on assemble le bas et le côté le plus haut. On passe une aiguille dans la couture qui ressort de l'autre côté dans la couture. Ici, elle passe dans la couture et elle va ressortir au niveau du pli. On trace ensuite une base de 7 cm et on pique sur la ligne. À 1 cm de la couture, on coupe. On reprend la bande et on fait un repli d'1 cm de chaque côté. Ensuite, on replie en deux. On épingle et on fait une piqûre sur toute la longueur. On épingle la bande de chaque côté de la couture d'assemblage. J'ai fait quelques points pour la maintenir. On glisse maintenant les deux parties l'une dans l'autre. Les tissus sont endroit contre endroit. On épingle tout le tour. On assemble maintenant tout le tour en laissant une ouverture de 7 cm. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Je dégarnis un peu en haut pour éviter les surépaisseurs. Et on retourne par l'ouverture. Et on va refermer l'ouverture qui est devant en faisant une surpiqûre tout autour. Une fois cette dernière piqûre faite, votre petit panier à suspendre est terminé. À vos machines!